limits. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Urbaine. À tous ceux qui s'invitent tous à abonner, cliquez là, c'est abonnez-vous, activez la cloche, n'est pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Oui, et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, vous pouvez faire les dons sur PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description. Que Dieu vous bénisse. Nuance Urbaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Urbaine. Merci de regarder cette vidéo, ça va franchement vous aider et ça va nous permettre de comprendre des choses extraordinaires. Soyez donc prêts. Quel est, selon vous, le critère de sélection d'une femme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on regarde pour choisir la femme qui sera la mère de nos futurs enfants? Est-ce qu'on regarde son côté sexy, sa beauté, ou le cœur, l'intérieur, la beauté du cœur? Ok, ici vous allez voir quelque chose d'intéressant qui va apparaître. Quand vous marchez par exemple et que vous voyez une fille dans la rue et que vous êtes tout de suite attiré, qu'est-ce qui vous a séduit? Est-ce son comportement? Est-ce la beauté de son cœur ou la beauté ou son apparence, voilà, la beauté du corps? Bien sûr que vous allez dire, vous allez tous trouver pour dire que c'est parce qu'on a vu qu'elle est belle, c'est pourquoi elle nous a séduit. Automatiquement, vous vous êtes dit en vous-même que waouh, cette fille-là, franchement, j'aimerais vraiment la voir chez moi, j'aimerais qu'elle soit ma femme, en un mot. Mais le problème ici, c'est surtout où? Vous savez où ça se situe? Ça se situe dans la mesure où aujourd'hui, même les femmes les plus belles de la planète peuvent même être des sorcières. Alors, si vous rencontrez une femme parce qu'elle est belle et que tout de suite vous avez pensé que c'est la bonne, vous faites fausse route, vous vous êtes trompé. Ça veut dire qu'il faut absolument chercher à découvrir son état d'âme ou encore son comportement. Mais comment allez-vous découvrir son comportement? On va découvrir son comportement tout simplement dans une mise en situation. Face à un problème, comment va-t-elle réagir? Si elle a bien réagi en ce moment-là, on dira que oui, cette fille-là, assurément, c'était la bonne. Mais le diable, aujourd'hui, se déguise en belle femme. Et il montre même un bon comportement souvent. Donc, à ce niveau, il est vraiment difficile de découvrir qui est la bonne. Est-ce que cette fille que vous voyez ou encore que vous voulez côtoyer, est-ce que c'est la bonne? Ici, nous allons donc prier et demander à Dieu de nous révéler la réalité ou encore l'état d'âme de la personne que nous voulons fréquenter ou encore faire d'elle notre femme ou encore la mère de nos enfants. Mes frères et sœurs, pourquoi nous vous parlons de ces choses? Vous allez comprendre ici. Vous allez comprendre ici. Ça ne rigole pas chez nous. Ça travaille. On travaille sérieusement. On travaille dur. Et vous allez comprendre. Premier élément. On vous a dit la première fois qu'on voit la fille, on est attiré par sa beauté. Oui. Peut-être que c'est sa beauté qui t'a attiré. Peut-être que tu te concentres sur la beauté. C'est ton critère de sélection. Mais la sirène aussi, elle est belle. Le diable aussi, il est beau. Si tu aimes les hommes qui sont sexy, tu es dans les problèmes. Si tu aimes les filles qui sont sexy, là tu es dans les soucis. Parce que la sirène, elle va s'habiller exactement comme une fille sexy. De l'autre côté, on vous a dit que même à l'église, il y a des sorcières. La sirène, même, elle peut même venir à l'église. Vous allez la voir là-bas. Mais vous allez vous poser la question de ça, mais elle a l'église, elle a un bon comportement, elle prie. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux une femme, elle prie à l'église, c'est elle-même qui prie plus que tout le monde. Quand on dit venez prier là, wow, 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 faut la voir.
Elle agitait comme ça, priait, wow, 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 Seigneur Jésus, viens, viens. Mais plus tard, on a découvert que c'est une sorcière. Alors qu'elle a un beau comportement, elle paie sa dîme, elle fait des offrandes. Mais on ne peut pas savoir comment vous allez découvrir l'état d'âme de la personne. Parce que ce qui va vous aider à choisir la femme la même, au final, c'est ça, son état d'âme. Il faut que Dieu vous révèle qui elle est d'abord, son état d'âme spirituel. Moi, je préfère dire que c'est le premier élément que vous devez contacter. Ça veut dire, dès que vous voyez une fille dans la rue là, et puis elle vous attire là, ne faites pas le premier pas d'aller directement vers elle pour dire « Oh bonjour ma jolie, ma chérie, tu es jolie, est-ce que tu veux être ma femme ?» Non, ça ne marche pas comme ça. Dès que tu l'as vue comme ça, dès que vous l'avez vue là, et que vous sentez que franchement, elle vous plaît, deuxième élément, vous devez tout simplement aller, c'est-à-dire faire une mise en situation. Découvrir comment elle va se comporter devant une situation. Maintenant, si elle est une sorcière là, il faudrait que vous sachiez que les sorciers là, ils ont un pouvoir. Ils peuvent savoir si on les observe. Si c'est une sorcière, automatiquement elle saura que vous l'observez. Donc elle va adapter un certain comportement, ça risque de vous tromper. Voilà. C'est dans ce sens là qu'on vous a dit tout simplement que là, il faut maintenant faire quoi? Interroger Dieu. C'est la même chose sur les femmes aussi, hein? Les femmes qui cherchent des hommes, qui ont besoin d'hommes là. C'est la même chose, critère de sélection d'une femme, mes frères et sœurs, toutes ces choses dont vous devez les prendre en compte. Parce que si vous avez fait le mauvais choix, vous allez souffrir, je vous le dis. Vous allez souffrir, vous allez souffrir, vous allez avoir des enfants avec la mauvaise femme. Et si elle est sorcière, elle va initier tous vos enfants. C'est le danger qui se trouve derrière quand on fait un mauvais choix. Mes frères et sœurs, voici un jour, le témoignage à l'appui est là. Un jour, un homme de Dieu a commencé à avoir des problèmes avec sa femme. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec lui? Ce qui s'est passé avec lui est que quand il prêchait à l'église, là, sa femme le persécutait. Vous savez ce qu'elle faisait? Quand il a été prêché comme ça, là, le diable qui est entré dans sa femme va pousser quoi? Sa femme aller tout simplement devant les gens là-bas et lui demander l'argent pour la cuisine. L'argent, comment on appelle ça? L'argent de propos, un truc de ce genre. Mais quoi? Devant les gens, elle vient. En fait, mise en situation, regardez, elle vient. Elle dit, donne-moi l'argent. Elle lui scelle le cou, elle lui scelle le col comme ça. Donne-moi l'argent de propos devant les gens à l'église. Mon Dieu! What? Des fois, les gens à l'église, à la maison là, là, mais c'est grave. Mais un jour, vous allez voir ce qui va se passer. Un jour, il y avait un séminaire à l'église. Et cet homme de Dieu là avait invité qui? Ses amis où? Chez lui à la maison. Ah là 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 là. Ce jour là, il s'est approché de sa femme. Il a dit, s'il te plaît, aujourd'hui là, il faut me rendre un grand service. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Tiens, voici l'argent. Il faut bien préparer parce que je vais recevoir des hommes de Dieu. Nous avons un séminaire. Après cette rencontre, nous devons venir nous régaler parce que je suis sûr qu'on sera fatigué. Ce jour-là, elle n'a pas parlé. Est-ce qu'elle a parlé? Elle ne parle jamais. Non, ce jour-là, elle n'a pas parlé en tout cas. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle dit ok, pas de souci. Elle a pris l'argent. Et quand l'heure est venue, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu effectivement, il est arrivé à la maison après le séminaire avec ses collègues pasteurs. Mais qu'est-ce qu'il va voir? Vous allez voir. Dès qu'il est arrivé à la maison, vous savez que les hommes de Dieu, là, quand ils arrivent après tout ça, ils s'asseyent, après ils sont prêts à manger. Là. Quand ils sont prêts à manger, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les vrais chrétiens font? Et qui est d'ailleurs très important. Qu'est-ce que c'est? C'est la prière. Voici ce qui va se passer. Pendant que l'homme de Dieu priait là, ou même après même la prière là, dès qu'il a ouvert, ça vous fait peut-être rire, mais
Dès qu'il a ouvert le plat qui est censé être une bonne nourriture là, vous savez ce qu'il a vu à l'intérieur? Est-ce que vous savez? Vous n'allez pas. Non, vous n'allez pas croire. Mais j'ai dit, vous allez voir. Ce qu'il a vu là, ça l'a poussé de la colère même. Il dit trop, c'est trop. Il dit aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, trop, c'est trop. C'est quoi la personne dit, oh non, 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 faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il faut nous dire? Vous voulez vraiment savoir ce qu'il a dit? Abonnez-vous et soyez prêts maintenant. Soyez prêts, serrez vos cols. Ne criez pas, hein. Ok. Il a donné de l'argent pour faire quoi? Pour préparer de la bonne nourriture, non? Au lieu que ce soit de la bonne nourriture, vous savez ce qu'il était dans les assiettes? Des cafards. Tous les cafards, et puis ils sont vivants. Tous les cafards de la cuisine. Ce sont tous ces cafards-là, la femme allait ramasser comme ça pour mettre dans les assiettes là. Hé, hey, hey, c'était étonnant. L'homme de Dieu a vu ça et dit non. Trop, c'est trop. Il s'est tout de suite mis en colère. Est-ce que vous avez vu? Pendant qu'il était en colère là, voici que l'enlèvement est venu. Et que s'est-il passé? Dieu a enlevé tous ses amis et lui il est resté. C'est une histoire qui a été faite en film et nous rappelons l'histoire, mes frères et soeurs. Waouh! Et pendant que ses amis sont partis, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Nous allons vous le dire. Quand ses amis sont partis là, ou encore ils ont été enlevés par Dieu, ils sont allés au ciel et que lui il est resté. Sa femme, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu penses que tu allais partir et moi me laisser ici? C'est pour que tu restes avec moi ici et que nous deux on aille à l'enfer. C'est pourquoi j'ai fait toutes ces bêtises là pour que toi tu puisses tomber dans la colère afin qu'elle puisse t'avoir. Mais what? Quoi? C'est ça la femme qu'il a choisi. C'est ça la femme qu'il a choisi. Ça veut dire que même si vous êtes homme de Dieu, vous savez que les hommes de Dieu, là, leur problème, là, c'est femme. Et tous les problèmes des humains, là, sont les femmes. En tout cas, les hommes sont les femmes. Faites attention. Il y a plusieurs femmes dans ce monde-là. Mais une seule est la vôtre. Il faut bien choisir. Il ne faut pas se tromper. Parce que si vous vous êtes trompé, c'est pas... Oh là 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 là. Vous allez comprendre. Ce n'est pas une voiture qu'on peut changer facilement. Ah. Ah. Et puis, vous savez, à l'église, on se marie d'abord, non? On se marie, non? Ne faites pas de telles erreurs. Prenez soin de regarder la femme que vous allez choisir dans toutes les dimensions et prenez soin de demander à Dieu qui est cette femme d'abord avant de l'épouser. Son état d'âme, c'est ça qui va vous permettre de comprendre qui elle est. Sinon, l'apparence, ça trompe toujours. Ne regardez pas parce qu'elle est belle. Si vous voyez une voiture, et puis vous dites, oh, la voiture est belle. Il n'y a pas de souci. Allez-y, si vous voulez l'acheter, achetez-la. Mais une femme, faites attention. C'est la même chose avec les hommes aussi. Faites attention. L'homme, en général, est compliqué. Il est multidimensionnel. Vous ne pouvez pas le comprendre. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous devez être en mesure d'analyser tous ces trois entités-là d'abord avant de vous unir, même d'être ami avec la personne. Sinon, vous risquez d'être ami avec des sorciers ou encore des mauvaises personnes, des satanistes qui vont à un moment donné même chercher à vous sacrifier. Faites attention, que Dieu veille sur vous, que Dieu nous guide vraiment. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que les vidéos qui vont venir vont certainement vous étonner. Dites-nous ce que vous pensez de cette réaction, la réaction de cet homme de Dieu. À sa place, que auriez-vous fait, mes frères et sœurs? C'est grave, ce qui se passe dans ce monde est plus grave que grave, mais c'est extraordinaire, mais c'est étonnant. Soyez pas pour la prochaine vidéo. Let's go. Ne serait pas.